Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Merci infiniment de ta franchise, mon Guillaume. On va se faire un petit jeu maintenant, puisqu'on a la chance d'avoir un des princes de l'humour avec nous. On va se faire. Il est mignon. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi, t'as envie de moi, toi. Peut... Ah, bah... Il sent bon, il s'est lavé, il a pris la douche. J'ai pris une douche, j'ai mis du déo. Ah, c'est ça. Bah, bien sûr. On va se faire un petit duel de blagues, la famille. Bon, vous connaissez, on avait fait pareil avec Gilles Alma. C'est parti, jingle. Ah, super, duel de blagues. Ok. On avait adoré ça avec Gilles Alma. Donc le principe est très simple, vous connaissez évidemment. Ça tient en quatre mots, tu ris, tu perds. Alors comme on l'avait fait avec Gilles Alma, Bishop va affronter Sarah, Rachel va affronter Alexandre, Julien lui affrontera Flora. Et pour finir, le choc des titans entre monsieur Guillaume Batz, ici présent, et moi-même également. Allez, ici présent, hein, je tiens à le dire. Vous êtes prêts, la famille? Oui, on est prêts. Ouais, on est au top, on Alexandre est me regarde avec un regard vicieux, j'aime pas ça. Je sais pas ce qu'il y a. Sors ta langue, on adore. C'est parti la famille pour le premier duel entre Bishop et Sarah. Orage. Allez, on y va, Bishop. Sais-tu pourquoi les belugas sont en voie d'extinction? Non. Parce qu'il n'y a pas assez de beloufilles. Cool. Que dit un chat en entrant dans une pharmacie? C'est nul. Reprends, Sarah. Que dit un chat en entrant dans une pharmacie? Je sais pas. Est-ce que vous avez du sirop pour ma toux? Attention, Bishop. Il arrive, il était pas loin. Attention, Bishop. Il arrive, hein. Tu sais qui est le seul dinosaure gay? Non. Le tripotanus. Cool. C'est l'histoire d'une fleur qui court, puis qui se plante. Ah, mais perdu quoi. Bravo, c'est bien, Sarah. Le tripotanus, il l'a tué. Il a rien, il l'a imaginé. Merci, bravo. Sarah. Bravo, Sarah. Bravo. Tu gagnes, on passe au deuxième défi. Bravo à vous deux, entre Rachel et Alexandre. Orage. Rachel, je prends toi. Hommage à Rachel. Vous avez vu, c'est une comédie musicale. Il y a des orages, il y a de la pluie, il y a de la musique. C'est parti, Rachel. Comment appelle-t-on un ours qui vit à la fois au pôle sud et au pôle nord? Un ours bipolaire. Ouais, mais je m'y attendais parce que je connaissais en fait. Tu t'y attendais pas du tout. On enchaîne, Alexandre. Bah, en fait, c'est généralement quand Mozart il est pas là, et ben après t'ouvres le frigo et puis souvent Mozart est là. Elle a rigolé. T'as vu, ça va vite, hein. C'est tellement déçu, Rachel. Tu vois, je croyais en toi, Rachel. Rachel, Guillaume, il avait misé sur toi. Je défends. Moi, j'ai pas misé sur cette blague. En plus, il a mal raconté. Normalement, la vraie truc, c'est souvent quand on parle de Mozart, il est là. Non. Il est pas là. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai tout chié. C'est pas grave. Il y a des toilettes. Je suis. Putain, j'étais bon avant que t'arrives. Merde. Oh putain. Le mec essaie de rattraper une vanne et il est intimidé. Il fallait l'esquiver. Il faudrait que je bosse un peu avec Jérémy Ferrari, moi aussi. Allez, il bosse avec les gens qui ont un peu de temps. Oui. Je sais. Tu me reclashes une fois, je te mets un. Je te mets un. High kick à la jugulaire. C'est ça. High kick à la jugulaire. On enchaîne donc. Allez. Julien vs Flora, attention. Qui commence? C'est moi. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient attends, pas? Attends, parce que là, tu vois, tu te précipites. Calme-toi, Julien. On est sur VL, on a le temps, prends l'antenne en otage. J'en ai rien à foutre, re-orage. Ouh, ça fait peur. Il y a des vétérans. Comment... Non, monsieur, pardon. Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas? Je sais pas. Elle bâtonne. Okay. Un bâton. Tu sais, hier, j'ai raconté une blague à un Français et il a pari. D'accord. Comment appelle-t-on un voleur de Viagra? Je sais pas. Un criminel endurci. Et tu sais que pour un cannibale, une femme enceinte, c'est un peu comme un Kinder Surprise, en fait. D'accord. Ça n'a jamais arrivé. Comment appelle-t-on un chat... Comment on fait aboyer un chat? Tu sais ou pas? Non. Un briquet, de l'essence. Ouf. La vache, il m'a fait flipper. Putain. Et que dit Frodon quand il arrive devant sa maison? C'est là que j'habite. Ah, il a perdu, Julien. Bravo, Flora. Bravo, Flora. Oh là là. Donc, bravo à Sarah, bravo à Alexandre. Et... ils sont tous de ce côté-là. Oui, les winners sont à gauche, à droite, c'est parti, ça par contre. Là, je crois qu'il n'a pas kiffé ce jeu, il n'est plus là. Je suis dépité par lui. Parce que je vois surtout qu'on lui a fait une petite fiche à Guillaume et qu'avec un stylo, il a réécrit des vannes. Guillaume, il a bossé, il a préparé tout de suite la famille dans un énorme orage, parce que c'est un deuxième orage, parce qu'on a deux effets orage, parce qu'on est des gens quand même bien. J'ai une phase alcoolo, là. J'ai une phase whisky coca. Tu fais tourner. C'était arrivé. Tout de suite, c'est le duel des titans entre monsieur Guillaume Batz et Martial. Ouais. Tu sais comment s'appelle le pire vendeur de vin? Non. Yvan, pas de vin.
Je ne suis pas responsable de ces vannes, on est d'accord? Ah non, mais on est d'accord, oui, oui. Allez, Boboy, on compte sur toi. Okay. Allez, Boboy. C'est pas mal, tu l'as bien faite. Est-ce que tu sais qu'elle est l'amie du feu? Non. Le pot-au-feu. Oh mon dieu. Fais gaffe quand même, fais gaffe, moi. Moi je vois des petits rictus. Allez Guillaume. C'est l'histoire d'une bière qui tombe à l'eau et qui ne savait pas nager. Tu sais pourquoi les nageurs sous-marins tombent-ils dans l'eau à l'envers? Tu peux me la refaire, c'est pas... On n'a pas compris. Est-ce que tu sais pourquoi les nageurs sous-marins tombent-ils du bateau à l'envers dans l'eau? Non. Parce que s'ils tombaient à l'endroit, ils tomberaient dans le bateau. Ouais, elles sont tellement nulles. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui est petit? Vert. Et qui court sur un circuit en rigolant. Refais-la pour que tout le monde entende. Qu'est-ce qui est petit, vert et qui court sur un circuit en rigolant? Je sais pas. C'était l'aime. Un chou-marreur. C'est bon. La victoire. Bravo. Ouais, la victoire. Bravo. Merci. Bravo. Du bruit pour Guillaume Batz. Bon, mais il est 20h55, la famille. Un maximum de bruit pour monsieur Guillaume Batz. Au top. Qui a été avec Guillaume. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.